Vamos para que era com ele? Alors, silence, hein? Silence! Action! Là, la machine, c'est. Action! Je suis là. Eh, les gars, bonsoir, Hayat. Bonsoir, Van. Ça va? Bonsoir. Oui, ça va bien. Comment as-tu passé ta journée? Comme tous les autres. Et tu? Il n'y a aucun changement. Hey, t'as un coup de drague? Oui. Pourquoi ça va être comme ça? Ta gueule, qu'est-ce que tu veux? Arrêtez, arrêtez! Arrêtez-vous tous les deux, vous êtes des amis, pourquoi vous battez? Pourquoi continuer ce que nous disons déjà? Allez, calmez-vous. Younske Healy. Younske Healy. Donne-moi une carte. Chica. Dis-moi, Harpa. واش عليه خاص دخان خاص دخان نو جي بارا سيريوزمون Des fois je reste sur la pluie et le froid pendant les nuits. Finalement. J'ai laissé la maison de mon père parce que. C'est ça pour qui hein? Et la mère souffre parce que. Parce que. Dans cette maison, il y avait la même souffrance que la vie. Mais après. J'ai travaillé dans plusieurs métiers, comme boulanger, menuisier, maintenant comme mécanique. Avec un bon homme qui est très gentil avec moi. Je te repasse. Où que tu vives? Et maintenant, mes amis, j'habite avec vous dans cette baraque. Qu'est-ce que tu fais? Toi, Hayat, pourquoi tu es ici? Moi, c'est différent de toi. Au moins, tu sais qui est ton père, qui est ta mère. Vous avez des souvenirs ensemble. Mais moi, je suis bâtard. Je viens en ville, je n'ai pas trouvé mes parents. Ni père, ni mère qui me donnent la douceur. Et pour ça, j'ai beaucoup de jalousie pour les autres enfants. À l'âge de 7 ans, j'ai commencé de travailler dans les maisons comme domicile. Et ça, c'est début de malheureuse souffrance pour moi. Parce que les hommes que je travaillais chez eux étaient des méchants. Et pour ça, je préfère de partir au rue, où je trouve ma liberté. Mais j'aimerais comme des garros. Depuis mon enfance, j'ai toujours rêvé d'avoir un bon frère. Un père qui m'achète tout ce que je veux. Et un mère qui me donne les vrais bons sentiments. Mais ça seulement un rêve qui a grandi avec moi. Maintenant j'ai 13 ans. Je suis à un âge très dangereux. Je m'appelle Hayat, c'est vrai. Si c'est ce que ça veut dire Hayat. Hayat c'est la vie où nous sommes. La chose qui me fait le plus de mal. Si je ne sais pas pourquoi je suis en vie, je vais mourir. Parce que je n'ai pas de famille. Ni père, ni mère, ni même des frères.
Alors, à votre avis, pourquoi souhaitons-nous tous les humains vivre avec une famille, l'amour? Mais moi, j'ai rien de tout cela. L'amour. La seule chose que j'ai est de continuer à rêver. Les rêves d'un fils qui vit dans la rue, rejeté et méprisé d'un parti, et source de problèmes d'autre part. I love you. Et toi, Annie, pourquoi souhaitons-nous? Moi. Toi. Moi. Quand j'avais 5 ans, j'ai commencé à réfléchir au sein de mes parents. Pourquoi j'ai très peur de cette vie? Pourquoi j'ai très peur de des autres? Pourquoi? Comme ça. Oui, j'ai commencé à me droguer à l'âge de 7 ans. Je le trouve où à vivre. Vous l'aurez accepté. Vous êtes mes seuls amis sur un monde violent. Et pour vivre dans ce monde, je suis obligé de t'attaquer les autres. Mais tout ce que je veux de cette vie, merdeuse. C'est trop bien. Je trouve mes vrais parents avec une petite maison pour vivre. Mais malheureusement, je suis orphelin. Et toi, Hed, qu'est-ce que tu veux de cette vie? La seule chose que je veux est de retrouver le respect et la douceur et mes parents. Et toi, là, qu'est-ce que tu veux? Tout à fait, que tu veux. Moi? Ah ouais, parti, Annie. La seule chose que je veux pour cette vie, c'est vivre dans une bonne famille. Nous marier avec une bonne femme. Qu'est-ce que tu veux, mais je veux dire? Et donner à mes enfants tout ce qu'ils veulent. L'amour, l'argent, le respect. La douceur, le tendresse. Je vais te dire. Je vais te dire. Je vais te dire. Je vais te dire.